trois au téléphone, genre la fille, sa soeur qui m'a appelé, et leur groupe, genre toute leur maison, toutes les filles de leur maison, parce qu'elles sont nombreuses. Moi, de mon côté, et le gars, ça faisait trois, quoi. Mais genre, de leur côté, elles sont nombreuses, mais c'était un three-way call, en fait. On cause, le gars commence à nier. Oh non, c'est parce que je voulais dire sur les messages là, elle a seulement vu mal. C'est mon Saint-Germain là, hein? Genre quoi? Avant que je dise que oui, tu m'harcelais et tout, tu voulais de moi, je t'ai dit que je sortais ta copine, genre qu'on flirte ensemble. J'ai dit que tu m'as dit moi. Why are you lying? Genre, j'ai commencé à pleurer parce que j'étais quand même énervée, je ne peux rien faire. Je commence à pleurer tout, parce qu'il faut que je me calme. Genre, je pleure, j'ai dit que quoi? Je quoi? Tu dis que j'ai fait quoi? Genre, on a commencé à se disputer. Après, la fille dit maintenant, ma meilleure amie là me dit qu'en tout cas, je m'en fous même de ce que Justin a dit. Parce que l'affaire de meilleure amie là, c'est fini. Ça s'arrête là. Il dit, hein? Are you serious? Genre, il dit que tu es sérieuse là. Et tout. Tellement que j'avais mal, j'ai dit aux filles que okay, c'est bon, si vous voulez me croire, vous voulez me croire pas, tant pis, j'ai fini avec ce sujet-là, je m'en fous et tout, avant que le gars dise que je m'excuse, il s'excuse aux filles, il dit que il appelle Ange et tes soeurs, je m'excuse de votre côté et tout, je suis vraiment désolée, Justine, c'est juste une mauvaise fille, elle voulait gâter notre connexion, notre vibe en fait, et j'espère que ça n'a pas marché, bref. Bref, je ne vais plus continuer à parler au téléphone avec cette fille-là. Cette fille-là, ce qui veut dire moi. Elle dit, hein? I said, what? Huh? So, elle dit, oh non, it's okay, tout et tout. Tu ne nous as jamais rien fait de mauvais, donc on te croit. J'ai dit, et moi? Elle dit que, bref, on a fini avec toi, Justin. J'ai dit, ok, moi, j'ai tellement mal. J'ai dit, ok, bye. J'ai rien comme le téléphone. Après, pas sur Facebook. Tu peux check le profil de ma copine là, elle commence à envoyer les shades. Oh, tu crois que c'est ta meilleure, que quand tu crois qu'une fille c'est ta meilleure amie, peut-être elle peut te pointer dos, dos, des trucs comme ça. Elle dit ah, donc je l'écris maintenant sur Facebook, j'ai dit que mais de qui tu parles, je sais que c'est de moi, mais pourquoi, qu'est-ce que je t'ai vraiment fait? Elle me dit que oh, rien, comme tu ne sais parce que tu as fait rien. Après un certain niveau, je lui ai dit que tu sais quoi, tu n'es pas vraiment une vraie amie. Parce qu'une vraie amie m'aurait d'abord dit que tu parles avec un gars, parce que je lui disais tout ce que je faisais. Honnêtement, c'était je le considère comme une meilleure amie en fait. Parce que tout ce que je faisais, je disais tous les gars avec qui je causais, même si c'était pas la relation, je disais. Avant qu'elle me dise que non, on partait déjà dans différents endroits dans nos vies, je ne croyais pas que genre, ça allait faire sens. Et elle me disait qu'elle causait avec ce gars. Et comme d'habitude, j'ai dit ok, je crois que tu as préféré choisir le gars contre moi, ton ami depuis des années, un gars que tu connais, ça fait seulement quelques mois. Ok, sans problème. Elle me dit que whatever. Donc, je m'en fous, genre, whatever. J'ai dit ok, sans problème. Boum, quelques mois passent, ok? Genre, elle et moi, on sait plus parler. Quelques mois passent. Je commence l'université. Et trouver avec qui je vois ce gars-là, Jordan. Donc, le gars partait aussi dans notre école, dans mon université, là. Il était vraiment proche avec Jordan, genre. Si je donne trop d'informations, genre, vont connaître de qui je parle parce qu'il y a trop de gens de mon école. Mon groupe collège là qui me suivent, donc je vais pas trop entrer dans le sujet et décrire cette personne et tout ce que Jordan et lui faisaient ensemble parce que je sais que tout le monde va savoir de qui je parle. Bref, ce gars et Jordan étaient vraiment proches et en ce moment j'ai connu Jordan ma première, deuxième semaine. Bon, bref, mon premier mois à l'université, j'ai rencontré Jordan, c'était en septembre. Donc, et l'école commence fin août. Donc, quelques semaines vraiment, j'ai rencontré Jordan. Et Jordan et le gars étaient amis. Bien sûr, si Jordan et moi on cause, je vais finir par rencontrer son ami dans certaines circonstances en fait. Disons, souvent dans la cafétéria, Jordan était là avec lui. Je venais le saluer. Je venais saluer Jordan. Et puis, il arrive aussi, genre, le snobé. Je vais comme ça, hi. Genre, un jour, j'ai demandé une assise, genre, à la cafétéria là-bas, MC Diamantin, Montgomery College. Si vous connaissez, vous connaissez. OG. So, I sat there, asked him what happened. Il m'a encore sorti une autre version de l'histoire, que sont les filles là qui ont dit qu'elles ne m'aimaient pas avant que mon nom entre dans l'histoire. C'est mon dernier, donc j'ai écrit maintenant. Je rentre à la maison. Il m'a dit tout ça. J'ai dit que ok, c'est bon. Je rentre à la maison, j'écris la fille. Je dis maintenant ce que le gars m'a dit. J'ai dit que j'ai parlé avec lui aujourd'hui parce qu'il a mis avec. Je lui ai pas dit que Jordan c'est mon gars, avait un ami très proche à moi. Et tout, Jordan. Donc, lui et moi, on a fini par se rencontrer. Pardon, je voulais juste clarifier les choses. Il m'a expliqué que c'était comme ça, comme ça. J'envoie le message à la fille. Elle me dit que, oh non, c'est pas vrai. Bref, je vais lui parler tout à l'heure.
Avant que je lui ai dit que bref, j'ai rien contre toi, j'ai absolument rien contre toi. Je voulais juste te dire que son histoire et l'histoire que vous m'avez racontée, qu'il a dit, ça n'allait pas vraiment, ça n'allait pas côte à côte. Donc, je voulais juste te faire savoir ce qu'il m'a dit et j'ai écouté ce que vous avez à dire. Il y a une personne qui connaît la vérité, celui qui est là-bas en haut, Dieu connaît la vérité entre vous deux, qui mange, je m'en fous. Bref, la fille a dit qu'en tout cas, toi et moi, on est permis, on ne croit pas, je ne vois pas. Pourquoi tu t'inquiètes toujours de ce problème-là? Et lui et moi, nous sommes en couple, nous sommes contents ensemble. Il dit, ah, bien pour vous, félicitations et bonne chance à vous. Et c'est comme ça qu'elle m'a délit, je crois, elle m'a délit sur Facebook. Elle m'a passé sur Facebook. Et puis, sur Instagram aussi. Jusqu'à présent, je suis toujours sur Twitter. C'est le seul réseau social là où je suis toujours, c'est sur Twitter. Elle m'a laissé sur Twitter. Ah, je sais pas pourquoi, peut-être elle a oublié de m'enlever là-bas. Bref, et puis ils ont continué à sortir ensemble. Donc, un mois après, genre l'incident de il m'a dit ce qui s'est passé, je suis partie dire à ma copine, et puis elle m'a effacée sur les réseaux sociaux. Un mois après, ils ont cassé. Et il est venu à la cafétéria, il disait à Jordan, genre, oh, moi et la fille, ça ne marche pas, ça, on n'est plus ensemble. Et la manière dont il parlait avec Jordan, c'est comme s'il voulait, parce que j'étais à côté de Jordan, c'est comme s'il voulait que j'entende en fait. Oh non, ça ne marche pas. Sa famille est de trop. Ils sont trop demanding. Ils demandent trop de choses. Chaque fois qu'ils viennent là-bas, ils doivent apporter la nourriture, des trucs comme ça. C'est pas McDo qui veut que je m'arrête, doit l'acheter les pizzas, tout ça. Oh, c'est de trop. Elle affirme trop les problèmes. Oh, elle est aussi trop protégée par ses parents. Parce que, comme une fois de plus, Angela, on la voit là-bas comme un ange à la maison. Oh, on la traite toujours comme un enfant. J'ai pas le temps pour ça. Et tout, et tout. Après, c'est tout. Parce qu'il faisait comme si je n'écoutais pas. Moi, j'écoutais, mais je ne le regardais pas en fait. J'étais sur mon téléphone. Après, mais j'écoutais tout ce qu'il disait. Après, il s'est tourné et dit que je sème. Je me trouve comme ça. Il me dit que je voulais encore une fois de plus juste m'excuser pour la fois dernière, les problèmes qu'on a eus tous ensemble. Je veux seulement qu'on laisse ça derrière parce que c'est le passé. Maintenant, je commence une nouvelle page dans ma vie. Et tu sois avec mon frère, parce qu'il appelle Jordan son frère. Tu sois avec mon frère, donc je ne voulais pas qu'on ait des mauvais vibes entre nous. J'espère que tu comprends. Et ça, que, même si je t'excuse, comme je dis aujourd'hui, je t'excuse, mais je n'oublie pas. Donc, jusqu'aujourd'hui, on se voit. Ah, c'est comment, c'est comment. Ben, genre, derrière, je sais que ce gars, c'est un grand menteur. Parce que non seulement ça, il en a dit tellement sur moi que j'ai appris, mais je n'ai vraiment pas eu le temps, vraiment, tellement que je m'en fous de lui. J'ai pas vraiment eu le temps de l'approcher pour lui dire j'ai appris que tu as dit tel 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 sur moi. So, c'est ça. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. La fille m'a laissé tomber pour un mec et ce mec et elle n'ont même pas marché, donc elle a perdu les deux. Thank you for watching guys, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Si vous aimez mes story time, n'oubliez pas de laisser les pouces en haut, thumbs up la vidéo pour me dire que vous likez, aussi laissez les commentaires juste là en bas que je puisse voir ce que vous pensez de mes vidéos en français. J'espère que vous avez aimé cette story time. À la prochaine. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est Instagram, Twitter et Snapchat. Ce sera encore une fois de plus sur l'écran et dans la barre d'infos en bas. Je vous aime trop. Je vous aime tellement, mes bébés. Je vous aime tellement. Je voulais dire que je vous aime so so much. Mais vous allez comprendre, non? Parce que nous sommes bilingues ici. Donc je vous aime so so much, mes bébés. À la prochaine. Bye.